Bonjour tout le monde. Alors voilà ma petite recommandation pour ce mois de décembre. Il s'agit de The Expense. Alors The Expense, c'est plusieurs choses. C'est d'abord des livres écrits par James S.A. Corey, qui est en réalité deux personnes qui utilisent un seul nom. Ils écrivent à deux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des romans de science-fiction. Ça se passe dans le système solaire. En gros, il y a la planète Terre, la planète Mars et aussi toutes les personnes qui habitent dans la ceinture d'astéroïdes qui se font un petit peu la tête autour de ressources. Sans trop vous dévoiler l'histoire, il va y avoir un équipage d'un navire qui va découvrir un petit peu à la façon d'un thriller un mystère qu'il ne devait pas voir et ça va enclencher une suite d'événements politiques qui vont être plus ou moins dramatiques à l'échelle de, voilà, du système solaire. Si vous n'avez pas envie de lire, vous avez la série qui se trouve sur Amazon Prime. Il y a actuellement 4 saisons de disponibles. Il y a la cinquième qui va commencer mi-décembre. Donc voilà, c'est l'avant-dernière saison. Ils ont annoncé la sixième comme étant la dernière. C'est très bien visuellement. On voit en plus petit à petit qu'ils prennent l'assurance en termes de réalisation, en termes de budget. C'est de mieux en mieux. Et si ça ne vous suffit pas et que vous aimez jouer, par exemple, à des jeux de rôle, il y a le kit d'initiation de jeu de rôle The Expanse qui est disponible gratuitement en PDF sur le site de Black Book Edition. C'est assez sympa si vous aimez le jeu de rôle et que vous voulez commencer dans un univers de science-fiction, des livres et de la série, c'est très intéressant. Et ben voilà, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, les livres, c'est une bonne idée de cadeau pour Noël, si vous avez des connaissances qui aiment la science-fiction et qui ne connaissent pas encore cet univers. Et la série, ça permet de s'occuper pendant les vacances de Noël, quoi. Voilà!